Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comparaison entre Path of Titan et Evrima, dernière vidéo de cette série qui verra la consécration d'un des deux jeux en tant que meilleur jeu de dinosaure et accessoirement, vu que c'était fait pour ça, lequel il est préférable d'acheter. Bref, avant tout ça, on va faire un petit récapépète depuis le début, c'est-à-dire on va voir un petit peu où on en est. Alors dans la première vidéo, celle-ci, c'est Evrima qui a remporté la manche haut la main sur tout ce qui était aspect graphique et visuel. Dans la deuxième vidéo, celle-ci, c'est vous qui avez voté et c'est encore Evrima qui a remporté le round sur tout ce qui était aspect immersion. Dans la troisième vidéo, celle-ci, c'est Path of Titan qui a remporté la manche assez facilement dans la comparaison des contenus du jeu. Donc là, pour le moment, si je récapitule bien, on en est à 2 à 1 pour Evrima. Maintenant, cette dernière vidéo va évidemment départager les jeux de façon définitive. Et en plus de ça, je vais apporter mon avis personnel. Comme ça, si vous voulez le savoir, il y en a certains d'entre vous qui voulaient le savoir, je vais le donner. Et ça, ça va apporter un point entier un des jeux. C'est mes vidéos, je fais ce que je veux. Alors cette vidéo, vraiment, je vous dire, c'est un peu un fourre-tout, une bataille générale, un battle royale entre les deux jeux, sur plein de petits thèmes qu'on va séparer et qu'on va noter par rapport aux conseils. Et pour commencer ce dernier round, on va tout d'abord parler des mécaniques de combat. Oui, je vous ai lu en commentaire, beaucoup ont dit que j'avais oublié ça. Et ces combats, que ce soit dans Path of Titan et dans Evrima, se basent sur des attaques que les dinosaures ont. Dans Evrima, chaque dinosaure a des attaques totalement différentes des autres dinosaures. En même temps, il n'y en a que 9. Et dans Path of Titan, les attaques s'apprennent au fur et à mesure des quêtes et des marques qu'on dépense dans les habilités qu'on veut bien acheter. En gros, ça fonctionne comme ça. Et vraiment, pour avoir un avis sur les mécaniques de combat, il n'y a vraiment qu'une seule chose à faire, c'est jouer au jeu. Et là, je vais pas vous cacher que, en ayant beaucoup joué et en ayant beaucoup combattu dans les deux jeux, les combats de Evrima sont d'une bien meilleure qualité. Les attaques s'enchaînent, ils sont extrêmement fluides. Alors que pour Path of Titan, vous voyez que les combats qui se déroulent derrière moi, c'est quand même pas très joli à voir, c'est pas très fluide, c'est beaucoup de toupies, on tourne autour l'un de l'autre, on essaie de choper le point faible, c'est pas reluisant tout ça. Et vraiment, je pense que les vidéos qui sont derrière moi parlent d'elles-mêmes, donc on va pas parler de ce sujet beaucoup plus longtemps. On va directement passer aux conseils concernant les mécaniques de combat et voir qui remporte le point. Vraiment, on ne sait pas. En rapport avec les mécaniques de combat, j'accorde le point à Evrima. Oui, c'est vraiment un ressenti qu'on a dans le jeu, ça je tiens à le dire. Et c'est vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup plus plaisant de se battre dans Evrima que dans Path of Titan. Oui, en effet, c'était quand même un peu couru d'avance. Ensuite, de quoi peut-on parler? On peut parler d'un truc qui est quand même très important, c'est la stabilité des serveurs. Bah là, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Evrima. Les serveurs sont d'une qualité assez médiocre. Il y a beaucoup de bugs, beaucoup de lags, beaucoup de rollback, beaucoup de téléportation, beaucoup de déconnexion intempestive. Ça, c'est vraiment un truc que je vous dis, mais vous pouvez le voir au travers toutes mes vidéos. La quantité de bugs, de serveurs, je parle bien de serveurs, qu'il y a sur Evrima. Après, là, c'est des trucs que je vous dis. Là, vraiment, faut me croire. J'ai beaucoup joué au jeu. Ça s'appelle dans le jargon un retour d'expérience. Et donc, sur Path of Titan, j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup moins de problèmes de serveurs qui lag et qui bug. C'est quand même une réalité que j'ai eu en jouant aux deux jeux. Dans Path of Titan, il y a un vrai problème. Ça a un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est vraiment qu'entre deux dinosaures s'entrechoquent, vraiment ça fait des téléportations un peu partout, pendant les combats notamment, et ça rend la chose vraiment dégueulasse et insupportable au niveau visuel, déjà dans un premier temps, et en plus au niveau du gameplay, parce que quand on joue et qu'on se téléporte sous l'adversaire, au-dessus, à côté, à 2 mètres ou quoi, bah, ça rend pas super comme sensation. Voilà. Là, vraiment, faut me croire sur parole. Si vous me croyez pas, dommage, parce que je vais quand même faire un conseil et octroyer un point à un des deux jeux. En rapport avec la qualité des serveurs, j'accorde le point à Path of Titan. Parce que vraiment, Evrima, les serveurs sont vraiment pourris de chez pourris. Là, c'est indéniable, il y a quand même beaucoup plus de bugs sur Evrima que dans Path of Titan. Les serveurs ne tiennent juste pas du tout. L'écart se resserre 1 à 1. Qui va emporter la manche? On va voir ça dans pas très longtemps. Et après ce nouveau thème sur l'accessibilité au jeu. Accessibilité au jeu, j'entends quoi par là? Sur quelle machine le jeu peut tourner? L'optimisation du coup et tout ça. Alors il faut savoir que Path of Titan est accessible sur quasiment toutes les plateformes. PC Master Race pour commencer, téléphone et console. Ce qui fait que le jeu est assez bien optimisé pour pouvoir tourner sur PC, sur console, mais aussi sur téléphone. C'est aussi peut-être pour ça qu'au niveau des graphismes, il est un petit peu en dessous d'Evrima. Parce qu'il est fait pour tourner sur plusieurs plateformes. Maintenant, parlons du cas d'Evrima. Evrima a les inconvénients de ses avantages. C'est-à-dire que Evrima est très beau. Evrima a comme but de recréer la réalité. Et donc tout ça, ça entraîne quoi? Bah déjà, il est disponible que sur PC Master Race. Et en plus de ça, il faut un PC de fou furieux. Parce que quoi? Parce qu'il est très
très mal optimisé. Mais alors vraiment très mal. En gros, ce qui est dommage dans Everyma, c'est que si vous n'avez pas un PC ultra puissant, donc c'est-à-dire très cher, bah votre PC va cracher du sang, des flammes, va brûler. En gros, vous ne pourrez tout simplement pas jouer au jeu. J'entends bien, vous ne pourrez pas jouer au jeu de façon optimale. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se veut beau. Si vous pouvez le faire tourner, mais que votre jeu est dégueulasse, en fait, vous perdez quand même l'intérêt du jeu, c'est-à-dire l'immersion. Donc niveau accessibilité, que dit le conseil ? Au niveau de l'accessibilité, il n'y a aucun débat. Everyma est optimisé à la pisse. Donc, on accorde le point à... Bazzardi ! Non ! Et pour ceux qui le pensent, je suis pas payé pour mettre des points à Pass of Titan. Oh ben... Merci. Merci beaucoup. Non mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Personne ne me paye pour dire quoi que ce soit dans mes vidéos. Au grand jamais, les développeurs de Pass of Titan me paieront pour mettre un point. Enfin, corrompu. Jamais. Bref, passons à autre chose. Nous nous attendons pas là-dessus. Vraiment, c'est ridicule. Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Moi? Vous m'entendez? Eh oh! C'est moi! Eh oh! Oui, c'était quelque chose dont il fallait aussi parler. L'ambiance sonore des jeux. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vais pas vous faire écouter des sons de Pass of Titan ni de Everyma en boucle parce que tout simplement c'est pas visuel. On est dans une vidéo c'est les yeux. Donc simplement je vais vous dire mon ressenti encore une fois parce que oui cette vidéo là on est beaucoup sur le ressenti, le ressentiment, et tout ce genre de choses. Je pense que j'ai quand même une certaine légitimité à parler de ces jeux parce que j'y ai passé beaucoup d'heures dessus et donc je connais un petit peu comme ça un petit peu. Et donc au niveau de l'ambiance sonore, ben Everyma continue sa logique qui est la logique de l'immersion. Donc le son dans Everyma est extrêmement immersif, c'est-à-dire que peu importe où on se balade, peu importe ce qu'on fait dans le jeu, on aura un son en rapport avec l'endroit où on est. Si on est dans les marais, on a un son de marée. Si on est sur la plage, on aura un son de plage. Si on est dans la forêt, on aura des arbres qui craquent, des feuilles qui tombent, etc., etc. Bref, dans Pass of Titan, le son est quand même beaucoup moins travaillé. Donc je vais pas développer plus parce qu'on va pas passer 4 heures sur chaque thème. Conseil. En rapport avec l'ambiance sonore du jeu, qui est quand même très importante pour moi parce que c'est tout aussi conséquent qu'un visuel réussi, j'accorde le point A, Everyma. Parce que vraiment, j'ai déjà eu peur d'une branche qui craque. Donc, je trouve que c'est réussi. Vous voyez, je peux aussi donner un point à Everyma. Je ne suis pas corrompu, je suis libre comme l'air. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Bref, bon, maintenant on va parler de quelque chose qui est très important, c'est le développement des jeux. Est-ce qu'ils sont mis à jour régulièrement? Est-ce qu'ils sont mis à jour tout court? Ça c'est vraiment une question qui est fondamentale. On va pas s'apesantir dessus pendant 3 heures. Conseil. Bon ça va, je déconne. En gros l'idée qu'il faut retenir, c'est que Everyma a un développement qui est très long. C'est vraiment des échelles de temps qui ne concernent pas l'espèce humaine. Chaque mise à jour met une plombe à arriver. En revanche, dans Pass of Titan, là c'est clair, on est sur le site internet What's coming in 2003. Et en gros là ils disent tout ce qui va se passer en 2023. Et en plus de ça, dans Pass of Titan, il y a quand même des mises à jour très régulières qui ajoutent du contenu. Et ça, ça donne envie d'aller sur le jeu juste pour voir ce qu'il y a de nouveau. Alors que dans Everyma, très peu de nouveautés. Donc moi en tant que créateur de contenu sur ce jeu, vraiment Everyma, je reste sur ma faim, j'arrive et il n'y a rien de nouveau à chaque fois, donc c'est quand même très désagréable. Concernant les futurs probables de ces jeux, les futures mises à jour et tout ça, évidemment on va pas en rester là-dessus, on fera des vidéos qui en parleront plus précisément. Là n'est pas le sujet, là est le sujet de est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce que ça bouge. Et pour répondre à cette grande question, j'en appelle au conseil des sages de Tokmar et Tokmar seul qui décide, tel un dictateur, qui gagnera un point. En cet avant-dernier conseil, j'accorde le point à Pass of Titan. Bah parce que tout simplement, le jeu est plus souvent mis à jour. Hein. J'ai tout expliqué quoi. Allez, merci d'avoir suivi hein, ce conseil incroyable. Et pour terminer, parce que toute bonne chose a une fin, même cette petite série de vidéos. Maintenant que vous savez tout que le jeu vous propose, tout ce qu'il ne vous propose pas, tout ce qu'il y a à faire, comment il fonctionne, etc., etc., tout ce qu'on a vu jusqu'alors, maintenant il est temps de connaître le prix de tout ça. Quel est le moins cher? Et évidemment, le moins cher sera favorisé, parce que nous on est des rats. Alors du coup, Everyma, The Isle, il est à combien? On va sur Steam, tout simplement, et on voit qu'il est à 19,99€. Tandis que Pass of Titan, il est à 25€. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi payer 100€. C'est comme vous voulez. C'est vraiment, c'est à votre choix. Si vous préférez 25€, vous pouvez. Si vous préférez dépenser 100€, vous pouvez aussi. Conseil. Étant donné que je suis Chimera, alors tout ce qui est moins cher est meilleur. J'accorde par le fait un nouveau point à Everyma. Oh! Mais quel heureux hasard! Il y a 3-3 à la fin de toutes ces manches! Non, en plus, c'est vraiment, sans déconner, c'est du hasard. C'est vraiment, je... Est-ce que vous allez me croire?
penser que je suis corrompu déjà, donc c'est quand même difficile. Mais c'est vraiment un hasard, il y a 3-3 à la fin de cette dernière manche. Et en plus de ça, je tiens à le rappeler, dans l'intégralité des 3 vidéos, il y a 2-1 pour Erima. Donc là, il est temps que je me mouille. Oui, je vais me mouiller et dire ma préférence. Attention à tous. En fait, c'est du montage pour faire ça. En ce début 2023, moi, personnellement, je préfère jouer à... Evrima. Pourquoi? Si on veut être immergé dans la peau d'un dinosaure, vraiment, ben je trouve que The Isle Evrima est le meilleur jeu pour ça. En fait, Dondi, qui me regarde sûrement pas, bah il a réussi son coup. Le contenu graphique, l'ambiance sonore, l'immersion, tout ça, ça fait que Evrima, ça fonctionne. Alors qu'on l'a vu, il y a beaucoup de lacunes dans ce jeu. Vraiment, il y a énormément de trucs à lui reprocher au jeu et c'est frustrant. Parce que pour moi, Evrima, sans rire, vraiment, regardez-moi dans les yeux. Ça a la possibilité de devenir un triple A. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'un énorme studio les rachète, tout en les gardant à la tête du projet, qu'ils aient énormément de moyens et qu'ils puissent le développer vite. Donc en définitive, pour résumer tout ça, Evrima marque un point bonus de moi, parce que je décide, je fais ce que je veux, j'ai dit. Donc en définitive, sur l'intégralité des 4 vidéos, Evrima l'emporte 3-1, et donc est consacré meilleur jeu, et par le fait même, jeu que je vous conseillerais d'acheter. A savoir qu'il faut quand même un PC de fou pour le faire tourner. Ça, vraiment, il faut le prendre en compte, c'est très important. Voilà, je crois que tout est dit. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite série de vidéos comparatives. Si c'est le cas, commentez. Dites-le, je suis content dans les commentaires. Si vous dites je suis content, mais je suis content moi aussi. Et laissez un petit pouce bleu, c'est très important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, c'est encore plus important pour soutenir la chaîne. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, vous le savez, c'est... Ciao tout le monde.